Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 13e épisode de ma carrière. Souvenez-vous, on avait rejoint dans la dernière vidéo Chelsea malgré les nombreux clubs qui nous voulaient, tels que le Barça, la Juve ou encore United. On avait de gros cadors sur nous, mais on a choisi de ne pas brûler les étapes, même si franchement c'est vraiment une grosse différence de club, en allant à Chelsea avec des joueurs enfin qu'on connaît sur la compo. Ça fait du bien et des débuts plus que réussis parce que j'ai marqué les esprits avec mon implication sur les deux buts. Franchement, ça fait plaisir, surtout ce but à la dernière minute. C'est une bonne base et le staff sait que je me donnerai à 100% s'il me fait confiance. Je suis d'accord, pas mal. On a également le rival battu, du coup, logiquement, Liverpool. Et du coup, Jeffreys, l'homme en forme. Ok, Alan part de le motiver pour qu'il conserve ce niveau le plus longtemps possible. Est-ce qu'on est dans Génération 2023? On va voir ça. Milieu défensif. Ok. Ok, on n'a pas l'air. Bon, tant pis. Après, je suis déjà un grand joueur. Pas besoin d'être un jeune bon joueur. Ok, on va s'entraîner. Non, là, ça n'a rien à voir. Entraînement. On a la Ligue des Champions. Ok, on l'avait fait, en fait, l'entraînement, c'est bon. Du coup, notre groupe de Ligue des Champions, les gars. Chelsea, Dortmund, Benfica et Ajax Split. Donc, quatre équipes bien différentes par leur niveau. Et surtout par leur championnat. Donc, c'est bien, ça va varier. On va simuler jusqu'à la date prévue pour le premier match, et en plus on a le meilleur match en premier face à Dortmund à domicile à Stamford Bridge. Je suis tout juste dans le 11 de départ, donc ça fait plaisir. Lukaku déjà chauffeur de banc. On va y aller les gars, on n'a rien à voir. Ok, on a l'air de s'échauffer. Je vais peut-être voir la compo affichée, j'imagine. Ok, l'entraîneur adjoint. Je savais pas que tu parlais français, mais inutile de te lever. Ok. Putain, Lukaku, il va être dégoûté. Oh, oula, oula. Faut pas que je croise son regard. Hein. Oh putain. Et moi, je vais voir. Alors, 28. Jeffreys. Putain, ouais, je vais voir si je peux pas prendre un meilleur numéro de maillot. Tiens, je sais pas si ça a commencé. On va voir. Ouais, ok, je peux. Et après, on se regarde leur compo tranquillement. Alors, où est-ce qu'on peut changer ça? J'imagine dans... Non, pas activité, c'est pas ça que je voulais faire. Mon pro. Personnalité, ma carrière. Putain, bonne question. Là, c'est pas là, je pense. Ouais, voilà, logique. Personnalité non plus. C'est pas dans les notifications, s'en fout. D'ailleurs, on va supprimer ça. Toc. Je sais pas où c'est. Ma carrière à personnaliser, peut-être. Ok, modifier pro. On va voir qu'est-ce qu'il y a comme numéro disponible. Mais d'abord, on va juste se faire, je pense, une petite teinture comme pour dire qu'on a changé de saison. Et du coup, on va changer un petit peu nos cheveux. Je sais pas quelle couleur mettre. Bonne question. Pourquoi pas le bleu Chelsea? Mais bon, je suis pas sûr que ça va faire beau. Un blanc comme ça donne quoi? Ok. Pourquoi pas le blanc? C'est spécial. Le bleu clair, bleu. Ouais. Non, c'est pas fou ça. Ok, on va partir comme ça. On va partir comme ça. Un petit peu gris-blanc. Sauvegarder. Je vais juste regarder vite fait pour le numéro, les gars. Parce que c'est gaufre d'en prendre un qui est pas disponible et de le voler à quelqu'un, quoi. C'est où? Accueil équipe. Putain, je suis perdu dans ce truc. Ok, alors. On a 19, 9, 18, 22, 27, 14. Ok. 10. Ok. Le 11, il est pris, j'ai pas vu. Pourquoi pas le 11, hein? Ok, le 11, il est pris. Mais on va partir sur le...
Ou le 7 ou le 12. 7, j'ai pas vu non plus. Quand même regarder chez tout le monde. Ok. Ah ouais, il est pris. Bah oui, par Kanté, je suis bête. Bon, ben on va prendre le 12, les gars. Allez. Le 12, au moins ça change un petit peu. Ça fait plus attaquant. Ça fait plus jeune joueur, on va dire. Hop. On se perd plus. Modifier pro. Numéro 12. Toc. Bon, c'est pas le meilleur numéro du monde, mais c'est déjà mieux que 28. Allez, on est parti, les gars. J'arrête de vous faire poireauter pour le match. On va juste voir leur compo. Cobel, ok. On a qui? Calabria, Soleux, Palacios, Luis Alberto, capitaine. Mason Mount qui a rejoint Dortmund, ok. Intéressant. Reina et Adeyemi sur les côtés. Et Haller qui est toujours là. Ok. Et de l'autre côté, rien de différent par rapport à la dernière fois, il me semble. On a toujours Reece James, Chilwell sur les côtés. Nacho Fernandez, Silva et Koulibaly dans l'axe, Berardi, Sterling et moi en pointe. Ok, on est parfait. Et comme dans la vraie vie, Kepa a pris la place de Dormendi. Oh, magnifique. La photo du vestiaire. J'ai pas vu à côté de qui on était. Putain. Incroyable la petite présentation. Ah, mon premier match de Ligue des Champions, même de compétition européenne. On attaque direct en Ligue des Champions. C'est incroyable, hein. Franchement, c'est incroyable. Bon, ça aurait été mieux qu'on commence par l'Europa League, mais c'est tant pis. On commence direct dans la cour des grands. Magnifique le tifo de Lampard. Incroyable, il va être content, le coach. Ok. Les supporters sont là. La nouvelle teinture pour annoncer la nouvelle saison. Et on va. Non, non, on va pas passer. En fait, je sais même pas si elle est copyright avec la musique de Ligue des Champions, ça le problème. Ouais, vas-y, je la laisse au pire. Hein. Je sais pas comme si j'étais monétisé, mais au moins que je puisse la mettre en ligne, la vidéo. Ça, j'ai toujours pas compris comment passer, les gars. J'ai jamais compris ces trucs, mais bon, on s'en fout. Allez, la musique, la fameuse, la Ligue des Champions. On est parti pour l'hymne. Faudrait commencer la musique. Ok, magnifique. Ah, plus les enfants. Putain, on n'a pas vu la caméra proche des joueurs, c'est dommage. Fernandez et Reece James qui ont déjà un jaune de l'année dernière, sûrement. Ok. Magnifique les compos. Alors là, attends, au moins la fin de la musique. Et oh là là, la petite photo d'équipe. Magnifique. Pourquoi pas la miniature? Oh, elle est magnifique. Putain, je suis grand. Et ouais, c'est vrai que je m'étais mis grand. Je suis quasiment la taille de Koulibaly. Autant, je suis même plus grand. Ok, et Dortmund de l'autre côté. Parfait. Allez. On va passer, les gars, c'est bon, on a tout vu. On est parti pour ce match sensationnel. Je vais essayer d'aller dans l'axe, pourquoi pas. Le petit décalage pour Enzo Fernandez, la première frappe. Non. La frappe, oh, on encaisse sur une des premières occasions. C'est dedans pour Adeyemi, putain, franchement. Surprenant, c'est le mot, parce que là, je m'y attendais pas du tout. Ils ouvrent le bal d'entrée de jeu, les gars. Le peu de ballon que j'ai, il me sort direct dessus. C'est vraiment dur d'en faire quelque chose. Le niveau là qui est vraiment remonté, c'est plus la série B, ça c'est sûr. Quel but d'Adeyemi. Allez, les gars. Non. La frappe lointaine peut-être, non. Le décalage. Encore une fois, et on encaisse le second, mais c'est catastrophique. 16 minutes de jeu. Et on encaisse. Franchement, là, je sais pas, défensivement, ça va pas du tout. Pourtant, on a 5 gaillards, hein, on va pas se mentir. Mais pourtant, on encaisse, on va revoir. Je sais pas, j'ai pas vu. Ouais, ça lâche un petit peu dans l'axe. Et du coup, sur le côté, il se retrouve seul. C'est Reina, je crois, non? Luis Alberto, mais. Ok. Oh non, par-dessus la défense, il est tout seul à voler. Heureusement que cette fois, il a.
Attention à cette dernière occasion, les gars. Ça va sûrement frapper comme à chaque fois. Et la belle envolée, c'est pas fini. Il y a un dernier corner. Un corner qu'il faut pas encaisser. Parce que là, ce serait vraiment la fin de nos espoirs. Allez, faut siffler. Faut siffler. Putain, allez, j'essaie de défendre comme je peux. Je suis pas bon, ok, je la contre. Heureusement, parce qu'elle partait droit dans la lucarne, à mon avis. On perd 2-0, les gars, et pourtant, je pense que les stats, elles jouent pas en notre défaveur. On va voir ça, mais ouais, mis à part les tirs, je pense qu'on a quand même la possession, au moins. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ok, non, même pas, il domine tout. Ouais, non, c'est une domination totale de Dortmund, que je trouve pas pourtant si bon que ça dans le jeu, mais c'est vrai qu'on fait rien en fait, et c'est logique, on les laisse jouer. Non, oh non, ce qu'on se prend là, c'est pas possible, les gars. J'ai pas une belle passe là, franchement, ils abusent. Toutes les passes, ils me les font dos au but. Le défenseur, il sort direct dessus et c'est perdu, logique, hein, il est plus physique. Comparé à nous, regardez-moi ce trou dans la défense. On se fait avoir vraiment bêtement là-dessus. 3-0. Ça s'annonce mal. Non, on va se prendre le quatrième. Aïe, 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 aïe. Heureusement. Pouah, on l'encaisse. C'est fou, c'est fou. Premier poteau. Putain, là encore, je m'y attendais pas. Vraiment, on se fait bouffer. Il n'y a pas d'autre terme. Je sais pas si c'est ma faute, mais en tout cas, j'ai pas un ballon dans la course. C'est vraiment que des ballons dans le dos. Je dois remettre une touche, sinon c'est mort. Si je ne m'attends pas, c'est terminé. Allez. Enfin, je suis passé. Enfin, je suis passé. La feinte de frappe. Je rentre dans l'axe et je la mets. Premier poteau. Et c'est dedans. Je dois y aller en solitaire, malheureusement. Putain, mais prends-le au lieu de tirer dedans, putain. Bon, l'action est belle. La fin de frappe, je passe entre les deux. Et là, je retire premier poteau. C'est bien fait, mais ce sera pas suffisant, malheureusement. Non, mais c'est pas possible. La défense, il y a vraiment un problème. Allez. 5. Ça pique, hein. Mais franchement, il y a un problème, la défense. Je sais pas où il est, Koulibaly, hein, franchement. Ni Thiago Silva, ni Nacho Fernandez, ni Nacho Flaship, ça plus rien. Plus rien derrière, et logiquement, hein, on encaisse. Hein. Il est tout seul, on va pas la revoir, ça suffit une fois. On se permet, pardon, un double changement. Faudrait le faire plus tôt, la prochaine fois, ce serait cool. Oh putain, on a fait encaisser le sixième. 5, franchement, je pense que c'est plus que suffisant. Ça fait très mal à la maison, mais là, on mérite vraiment de se faire siffler. La teinture n'aura pas fait effet, j'ai mis un but. Mais attention, les gars, vous avez vu, hein, le seul ballon que j'ai eu en profondeur, je l'ai bien exploité et je l'ai marqué. Hein. C'est dommage, franchement. On n'a pas assez fait de jeu vers l'avant, j'ai envie de dire. On a fait que reculer et du coup, ils nous ont bouffé 15 tirs à 2. Putain, ça fait mal, hein. Il n'y a rien à dire, on va voir les autres de notre groupe, ce qu'ils ont fait. Putain, ça a piqué. Alors, classement. Hop. Ça a bien marché, voilà. Et Ligue des Champions. Du coup, ok, ils ont fait... Regarde, comment ça se... Ah non, ok. J'avais pas compris, merde. Du coup... Benfica qui s'est imposé face à Hajduk Split, logiquement. Va vraiment falloir les gagner, Benfica, quand on va les jouer. J'ai l'impression que c'est le prochain match, ouais. Ce sera contre eux le 18 octobre, donc c'est dans vraiment pas longtemps, ou septembre, je sais pas. Bon, on verra bien, en tout cas. On va simuler déjà. Ça sert à bien de... Oh, de transfert, putain. Séville, pardon. Non, malheureusement, non, les gars. Putain, imaginez, je serais parti. Enfin, je comprends pas comment ils peuvent me demander, non, si c'est fini. C'est bizarre. Peut-être pour le mercato d'hiver, du coup, j'imagine. Ok, perturbant, mais non, on va pas bouger.
on est très bien à Chelsea, malgré cette défaite qui a vraiment fait mal au moral. Ma première en Ligue des Champions, je pense que je vais m'en souvenir, mais pas pour les bonnes raisons. On affronte donc Brighton, les gars. Je vais juste vous montrer la suite du calendrier parce que c'est vrai que vous savez pas trop le programme. Ok, Brighton. Ensuite, on aura Newcastle en coupe et je pense qu'on finira face à Newcastle à domicile. Putain, ben. En 4 jours, on va les jouer 2 fois. C'est beaucoup, mais c'est comme ça. On va donc y aller, les gars, pour ce match face à Brighton. Brighton, ils sont 7 points. Ils doivent pas être loin. Ils doivent pas être loin. 9e, d'accord. Milieu de tableau, on connaît ça. On y va, les gars. Allez. Ok, ils ont l'air très contents. Ils feront moins les fiers quand on va marquer. Allez, bien joué ce que j'ai fait là. Avec le passement de jambe qui est passé. J'y suis. Ok. Et le but sur la première occasion. 2 minutes 34 de jeu. Et on vient déjà fermer des bouches. Magnifique. Voilà le petit coup. Incroyable. On va se revoir ça. Franchement, j'ai bien joué là-dessus. Je suis content. Les supporters aussi, on va voir ça. Ah, on voit que la fin, c'est dommage. Voilà, je fais la fin de rentrée à l'intérieur. Et la frapper en angle fermé. Je me suis dit que ça pouvait passer. Et j'ai bien fait. C'est dedans les gars, on mène 1-0. 2 buts en 2 matchs en première ligue. Non, ça se fait passer avec la passe et on encaisse. Mais les gars, la défense dans l'axe, c'est un problème. On se croirait à Venise. Beau but de Mitoma. Putain, regardez ça, il s'est fait manger. Et après, il finit. Putain, c'est pas possible. Non, premier poteau. Oh là 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 là, la chance qu'on a eue là. Tu m'as vu? Superbe. Super ballon. La fin de frappe intérieure qui est passée, qui est passée, qui est passée. Oh, il me prend au dernier moment, c'est pas fini. Dommage. J'y vais. Ok, je suis bien passé. Je suis très bien passé même. Allez, en retrait. Bien joué. Oh là là, l'arrêt du gardien, c'est fou. C'est dommage, putain. Faut se dégager, pas se prendre la frappe. C'est bon, il passe à côté. Heureusement, un partout les gars, Mitoma et moi-même, en termes de buteur. C'est un match assez bizarre parce qu'on sent qu'on peut prendre l'avantage, mais on le fait pas. Liverpool qui mène, City qui mène, ok. Je sais pas ce que ça donne en termes de statistiques, ok. 5 tirs à 3 pour eux. Ok. Faut se réveiller, hein, les gars, tout simplement, il n'y a pas de secret. Non, oh quelle perte de balle. Oh quelle perte de balle, les gars, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse qu'on se prend là. Mais je comprends pas, je comprends pas. C'est bête, hein. Ils étaient les deux sur le côté, ils pouvaient faire la passe tranquillement. Et bien, il est revenu en arrière et même pas sur le défenseur, il a fait ça directement sur l'attaquant. Putain, c'est fou. C'est fou. Allez, allez, on va passer ça. Encore le 1-2 qui est passé. C'est chiant. C'est chiant d'encaisser autant de buts. Les mêmes en plus, c'est tout le temps dans l'axe qui a un problème. C'est incompréhensible pourquoi. Incompréhensible. C'est fou ce qu'on se prend. Je comprends pas. Hein. On n'y arrive pas. Allez. 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 Putain, c'est dur. Hein. Il n'y a personne qui va m'aider. Allez, dans le dos de la défense, c'est bien passé. Je tente le centre au premier poteau. C'est passé. Non, putain, dommage. Allez, c'est bien cette action. C'est bien. C'est bien. Allez, ça revient sur Kanté. Oui. Allez, 5 minutes, les gars. Bien joué, N'Golo, qui s'est bien battu sur cette action. Ça nous redonne la pêche. Allez, on y croit. Bien joué. D'abord, il me l'a remise en arrière. C'est moi qui lui ai demandé. Je sais pas, je me la sentais. Au final, c'est lui qui marque sa propre action. Donc, tant mieux.
Oh là là, c'est terminé les gars, on en restera là. 3 buts à 2 pour Brighton, c'est complètement mérité. Franchement, on n'a pas fait du bon travail, on s'est réveillé à la fin et encore réveillé, c'est un grand mot, on a juste marqué un but grâce à un contre. C'est dommage, hein. Putain, je comprends pas là ce qu'on a, on perd les deux premiers matchs de la vidéo. Espérons que ça continue pas comme ça, ce serait bête. On a notamment la coupe en plus, ce serait bien de la gagner. Enfin, de passer le tour, on va dire. On va continuer. Qu'est-ce qu'on a? Déjà, on va s'entraîner, je pense. Voilà. Toc. Et toc. Pour l'entraînement, c'est fait. On va continuer jusqu'à la prochaine rencontre. C'est vraiment 2 matchs après pour la Carabao Cup. On va voir s'il y a de nouvelles infos. Ok, Ondov. Non, on s'en fout. L'équipe de la semaine, j'en fais pas partie. C'est complètement logique. Info club, l'agent de Jeffreys confirme le refus du transfert. Ouais, bien sûr, je comptais pas y aller. Ok. Bon, ben rien d'autre, les gars, on va partir sur la Carabao Cup. Essayons de nous rattraper de cette faume, de cette ouais, mauvaise phase, on va dire. Through the highways, till my shadow turns to sun rays.